pour une fois, les fameux jeunes, là, les jeunes, quand on dit les jeunes, n'étaient pas en bas d'une tour HLM à vendre du shit, et que les policiers n'étaient pas limite suicidaires à boire de l'alcool dans un commissariat, mais sur un bateau, au milieu de la Méditerranée, et qu'ils échangeaient, en tout cas qu'ils essayaient d'échanger, de discuter, de communiquer. J'ai dit, il faut que je sois dans ce film. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, d'être animateur en centre aéré, colonie, tout ça. Donc, j'ai un rapport aux gamins. Bon, voilà, je connais. En plus, moi, je viens de milieux défavorisés. Donc, j'avais certains jeunes comme ça. Parce qu'il faut arrêter de dire aussi que toute la banlieue, c'est un cauchemar. Non, non, il y a des gens qui font des choses très bien. Surtout au niveau associatif, il y a des bénévoles qui font des choses formidables. Bref, donc, c'est un environnement que je connaissais. Il y a toute une génération d'éducateurs qui sont fatigués parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Vous avez une influence extérieure, numérique, on va dire. Souvent, les parents décrochent, tout va plus vite, etc. Donc, tu as des animateurs, moi, j'ai la chance d'en rencontrer, qui me disent, on n'essaye plus de sauver les 10 quand on a 10 gamins. On va plutôt vers les 2 qui veulent s'en sortir. Et puis les autres, voilà. À côté de ça, il y a Audrey Pirot qui joue l'autre animatrice qui, elle, en veut encore, y croit encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un travail énorme, et malheureusement, les caméras ne s'arrêtent pas toujours sur ces gens-là. La caméra se pose toujours, c'est normal, c'est l'actualité, c'est comme ça, on n'y peut rien sur les trucs chauds, un tel qui a agressé un tel, etc. Mais il y a des gens qui font des choses formidables en banlieue, sans être des génies, sans devenir des grands orateurs, sans devenir des grands violonistes, sans devenir tout ça, mais qui font juste un boulot sympa au quotidien. J'espère, en tout cas, les jeunes du film, eh bien, qui trouveront leur voie. Et puis les jeunes spectateurs qui voient ça aussi. Et les policiers aussi qui voient ça, continueront à croire en leur mission qui est de garder la paix. Ce qu'il a fait avec les jeunes, c'était vachement bien, c'est qu'il les a réunis en amont à Lorient et ils ont fait un petit périple ensemble pour voir qui avait le mal de mer, qui n'avait pas. Donc ils l'ont tous eu. Il y avait un effet vaccin. Comportement qu'on avait au début, on était tous là un peu, on se marchait dessus, on savait pas où est ta place, quelle est ta place. Voilà, c'était très compliqué. Puis à un moment, tout le monde a pris son petit endroit, son petit truc. Certains avaient préféré vivre les uns sur les autres, d'autres les uns à côté des autres. Et il y avait une forme de respect qui s'est installée avec l'équipe de tournage et même notre comédien. Et puis le film raconte ça aussi. J'ai grandi en cité, j'aurais pu être un de ces jeunes. Et c'est vrai que j'avais dit ça dans un film, en banlieue souvent, on enterre nos rêves de gosses dans les terrains vagues, c'est-à-dire qu'on ne se projette même pas, on ne pense même pas qu'on peut être ça ou ça. Et à 30 ans, j'ai décidé de changer de vie, j'ai décidé de croire en mes rêves, et je suis allé m'inscrire dans un cours parisien très connu. Et maintenant, je vis une passion, celle d'être acteur, celle d'être réalisateur, celle de raconter des histoires, et que ce soit en doublage, en tant que réalisateur devant la caméra ou en tant que comédien. J'aime raconter des histoires, vous l'avez remarqué, je suis bavard, donc je profite de ça. C'est une espèce d'état orgasmique permanent. Vous me dites, mais t'es hyperactif? Non, je suis juste heureux.